N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Vendredi 26 avril, Natasha St-Pierre a remporté le trophée de Danse avec les stars sur TF1. Sur Instagram, elle a exprimé avec émotion ses réflexions sur les 10 semaines passées sur le célèbre plateau télévisé. Une séquence particulièrement touchante pour les téléspectateurs s'est déroulée le même jour, lorsque Anthony Collette s'est effondré dans les bras de sa partenaire, Natasha St-Pierre. Après une période intense de préparation, le duo a triomphé face à d'autres concurrents remarquables, tels que la star de TikTok Nico Capone et l'humoriste Ines Reg, remportant la 13e saison de ce populaire télécrochet. Le lendemain de cette soirée émouvante, l'artiste a partagé une photo sur Instagram capturant l'instant où elle a été annoncée comme la gagnante, succédant ainsi à Billy Crawford, le gagnant de la saison précédente. Dans la description de cette photo, empreinte de gratitude, Natasha, âgée de 43 ans, a remercié ses fans pour leur soutien constant, même durant les périodes les plus éprouvantes. « Merci à tous, c'est grâce à vous. Vous avez créé une famille autour de moi. Votre soutien m'a permis de surmonter les obstacles et de célébrer les moments joyeux », a-t-elle déclaré. L'aventure de l'ancienne vedette de la comédie musicale Notre-Dame de Paris dans cette compétition n'a pas été sans défi, notamment en raison de tensions avec Ines Reg et d'une blessure subie par son partenaire de danse. Ines Reg a confirmé que les tensions étaient résolues. Bien que l'humoriste se soit tenu discrètement en retrait lors de l'annonce par Camille Combal de la victoire de Natasha St-Pierre à la 13e saison de Danse avec les stars, elle avait précédemment exprimé avoir mis fin à son différend avec la chanteuse. « Cela m'a affectée et inquiétée, surtout à cause de certains mots prononcés. Mais maintenant, je me sens sereine et en paix. Les choses vont très bien. Des désaccords entre collègues, cela arrive fréquemment. » avait-elle expliqué lors de son passage dans l'émission « Culture Média » sur Europe 1 le mercredi 17 avril. Elle a ajouté « Nous sommes apaisés des deux côtés. Tout est réglé.